bienvenue dans la nouvelle année 2020. Moulao et Zayayo, est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu? Bien aimé, cette année sera différente. Je dis cette année sera différente. Maman, là où tu es, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Zemenenene moshatanaya, ziprene moshatabrea, sekitana la 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 moshaya brazaya. Nous entrons dans une nouvelle année. C'est une nouvelle décennie. En cette nouvelle saison. En cette nouvelle décennie. Je prie que la bénédiction de l'Éternel, celle qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit à jamais ton partage dans toutes tes entreprises. Que tu ailles de l'avant. Que tu prospères à tous égards. Peu importe là où tu seras, la faveur du Très-Haut sera sur toi. Les bontés de l'Éternel se multiplieront sur toi. Je proclame et je déclare en cette nouvelle saison que la bonne main de l'Éternel te couvrira. Peu importe là où tu seras, quand tu sortiras, quand tu reviendras, la bonne main de l'Éternel sera sur toi. Que ce soit dans le champ, que ce soit dans la ville, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, la bonne main de l'Éternel sera sur toi. Que tes capacités soient multipliées et que tu expérimentes le succès, la gloire de Dieu dans tous tes projets. Que le Dieu que je sais, le Dieu à qui j'appartiens, en cette nouvelle saison te donne de l'accroissement et de la vitesse. J'appelle l'accélération dans ta vie, l'accélération dans tes projets, l'accélération dans tes entreprises. Tu vas marcher sans te lasser, tu vas courir sans te fatiguer, et tu vas prendre de l'envol, et tu laisseras plusieurs derrière toi. Quand à gauche les gens seront fatigués, à droite épuisés, je proclame et je déclare, toi tu vas percer, et rien ni personne ne va t'arrêter. Je prophétise sur toi, en cette nouvelle saison, tu t'étendras à gauche et à droite, tu t'étendras à l'est et à l'ouest, tu t'étendras au nord et au sud. L'Éternel sera ta lumière et il conduira tes pas. Tu ne seras pas dans la confusion. Je dis dans cette nouvelle décennie, tu ne seras pas dans la confusion. Que la terre sur laquelle tu te tiens te soit favorable et qu'elle te donne les meilleures productions du pays. Cela sera ainsi dans le nom de Jésus. En cette nouvelle saison, je proclame et je déclare, Dieu va changer tes larmes en chants d'allégresse, tes pleurs en chants de victoire. Que la crainte de Dieu soit ton partage et que tu te distingues dans cette génération, selon qu'il est écrit dans Malachie 3:18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'appelle la différence sur toi, la différence sur ta vie, la différence dans ta maison, la différence dans tes affaires, la différence dans ton ministère, la différence dans ton foyer, la différence dans tes études. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen.
à l'aube de cette nouvelle saison, je viens prophétiser sur toi que la grâce de celui qu'on appelle El Shaddai te couvre et affermisse l'ouvrage de tes mains. Ainsi je proclame et je déclare, en cette nouvelle saison, tu ne travailleras pas en vain, tu ne travailleras pas à vide, mais tu te réjouiras et tu jouiras du travail de tes mains. Conformément à Esaïe 12:2, Dieu sera lui-même ta délivrance et la peur ne sera pas ton partage, car l'Éternel sera ta force et le sujet de tes louanges. Selon qu'il est écrit dans Exode 23:25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, il bénira vos eaux et il éloignera la maladie de vos maisons. Je proclame et je déclare, dans cette nouvelle saison, ton pain sera béni dans le nom de Jésus, tes eaux seront bénies dans le nom de Jésus et la maladie s'éloignera de ta maison. J'ai dit la maladie s'éloignera de ta maison. Je libère sur toi la bonne santé, la santé divine, la santé sur ton conjoint, la santé sur tes enfants, la santé dans ta maison, dans le nom de Jésus. Je me lève et je m'oppose contre la puissance de la maladie en cette nouvelle année. On ne te trouvera pas dans un lit d'hôpital. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je m'en vais déprogrammer toutes les programmations d'intervention chirurgicale et je libère sur toi la guérison divine. Je libère sur toi la santé divine, conformément au psaume 91:3-10. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Je dis, Dieu te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme mille tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand dans ton entourage les gens seront en train de tomber, toi tu ne tomberas pas. Je dis que tu ne seras pas atteint. Tu ne coucheras pas par terre. Je le déclare sur toi dans le nom de Jesus. Le Très-Haut sera ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison dans cette nouvelle saison qui s'ouvre. Je prophétise sur toi, tu feras des exploits. Je dis, tu feras des exploits dans tous les domaines et tous les secteurs de ta vie. Les exploits dans les études, les exploits dans le ministère, les exploits dans les affaires, les exploits dans le travail. Selon qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bien aimé, cette nouvelle saison qui commence, tu marcheras sur la tête de tes ennemis. Tu
tu marcheras sur la tête de tes adversaires. Dieu va faire de tes ennemis ton marche-pied. Je les déclare sur toi dans le nom de Jésus. Aucune barrière ne t'arrêtera. Bien-aimé, en cette nouvelle année, aucune barrière ne t'arrêtera. Ni le jour, ni la nuit. Car tu ne connaîtras plus de limites. À partir de maintenant, partout où on avait tracé au devant de toi des barrières, des limites, des frontières, je proclame et déclare que l'onction que tu reçois maintenant te fait passer au-delà des limites, te fait passer au-delà des frontières, que ce soit dans le domaine des finances, tu vas au-delà des limites, que ce soit dans le domaine du succès, tu vas au-delà des limites, que ce soit dans le domaine de l'impact ministériel, tu vas au-delà des limites. Personne ne va te bloquer. Aussi vrai que Dieu m'a établi dans cette église comme ange et père, je proclame et je déclare, aucune puissance n'arrêtera les miens. Aussi vrai que je suis en alliance avec Adonai, personne ne t'a tu vas avancer, tu vas progresser, tu vas évoluer, tu vas prospérer, tu monteras, tu te lèveras et tu iras bien haut. Personne ne pourra t'arrêter, ni dans le spirituel, ni dans l'immatériel, ni dans le physique. Je refuse cela dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu tombe sur toi. Et tu vas vivre de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Mais, Tata, nous sommes entrés dans cette nouvelle décennie. Et ce n'est pas en vain. C'est pour un but. Voilà pourquoi cette nuit, par l'autorité que tu m'as conférée, je proclame sur ton peuple et sur moi-même que dans cette génération, nous laisserons des traces. Nous laisserons des traces. Nous ne passerons pas inaperçus. Notre nom sera mentionné. On parlera de nous par la vertu de ton esprit, par la vertu de ta puissance. Je les prophétise dans le nom de Jésus. Et cela sera ainsi. Bien aimé, Dieu nous a placés sur cette terre, la République démocratique du Congo. C'est notre terre, c'est notre héritage. Cette terre est une terre bénie. En cette nouvelle saison, je proclame et je déclare la restauration de cette nation, le relèvement de cette nation, le rétablissement de cette nation dans le nom de Jésus. Je me lève et je m'oppose contre les esprits des ténèbres, contre les esprits mal intentionnés qui travaille pour la ruine de cette nation. En cette nuit de la traversée, aussi vrai que Dieu m'a établi dans cette nation, aussi vrai que Dieu m'a oint dans cette nation, je proclame et je déclare, les ennemis de la RDC vont tomber dans le nom de Jésus. Ils vont tomber. Cette terre, cette même terre sur laquelle ils crachent, va les engloutir. S'ils ne se répandent pas, nous allons les enterrer les uns après les autres. Je les déclare dans le nom de Jésus.
Jésus. Car cette terre est une terre bénie. Cette nation est une nation bénie. Et nous, peuple de Dieu, de la République démocratique du Congo, en cette nuit de la traversée, où nous entrons dans la nouvelle décennie, nous déclarons que trop c'est trop. Où nous levons comme des hommes et des femmes que Dieu a établis. Et nous proclamons le relèvement de la République démocratique du Congo. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare le relèvement de cette nation. Aucun homme, aucune puissance ne pourra s'y opposer. Nous renversons par la vertu de la puissance de celui qui habite en nous les autorités établies sur cette terre, les principautés, les dominations. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Ozo feta maboko, ozo sakola. En cette nuit de la traversée, je proclame la stabilité, politique, la stabilité économique, la stabilité financière, la stabilité sociale, dans le nom de Jésus. Père, souviens-toi de ce que tu as placé à la tête de cette nation. Tu les as envoyés, tu les as mandatés, ils sont sous mandat et sous mission. Comme ton église réunie en République démocratique du Congo, nous prions, Père, que tu guides leur pas. Ils ne feront ni leur volonté ni la volonté de qui que ce soit. C'est ta volonté qui va s'accomplir dans cette nation. Donne de la lumière, de la sagesse et de l'intelligence afin que ce que tu as décidé puisse s'accomplir. Merci Père, car cela sera ainsi. Bien aimé, je proclame et je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras l'essor de cette nation. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Montre-moi tes mains. Montre-moi tes mains. En cette nouvelle décennie, je prie que l'onction de Dieu descende sur tes mains. Les choses que tes mains vont toucher, en termes d'initiative, en termes d'entreprise, elles vont prospérer dans le nom de Jésus. Oyoyo ko sala e ko simba. Oyoyo ko banda e ko koma na suka. Je les déclare sur toi dans le nom de Jésus. Tu vas vivre les bontés de l'Éternel en cette année, que ce soit dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit. Je prophétise sur toi que tu témoigneras des bontés de l'Éternel dans le nom de Jésus. Ainsi qu'il est écrit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. De la même manière que 2019 a été roulé, je prophétise que la confusion de ta vie est roulée, l'opprobre de ta vie est roulée, la honte de ta vie est roulée. Au nom de Jésus, possède ton héritage. Jouis de ce que Dieu te donne et fais des exploits, des conquêtes en conquêtes, des victoires en victoires dans le nom de Jésus. Cela sera ta portion. Cela sera ta portion. Cela sera ta portion. Je dis cela sera ta portion au nom de... Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer le Seigneur?
des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs.